Bonjour, bonjour, bonsoir. Nouveau live sur Star Wars, on continue le chapitre 2 de l'inquisiteur Inquisitrice Riss. L'inquisitrice Tite, on va y arriver. Lâche ton verre d'eau. Ok, on était où? À conduire un mec à l'ancien temple d'assassin. Et non, je crois que c'était. On continue. C'est lent, hein. Ah, là qu'il faut tourner. Et qu'on pourrait faire comme ça. En panne. Est-ce que c'est pas en... Pardon. C'est en dessous. Coucou, hein, les gars, je passe à côté de vous, vous voyez pas.
moi m'occuper d'eux. Attention. Laissez-moi m'occuper d'eux. C'est tout droit en fait. Le bonus là. Thank you.
On dirait un simple système à poulies. Il faut juste que... Donnez-moi quelques instants. Oula. Ah oui, d'accord. De spawn directement. Mais les utiliser. Ah oui, d'accord. Faut tous retaper. C'est génial. Bah lol, je crois que je dois recommencer là. Lol. Il me faudrait le partenaire pour me soigner. Je suis prête. Voilà.
J'y crois pas. Je suis mort quand même. Et vu que j'ai pas envie de retourner à 1 km. Tu vas mettre tes soins là. Je vais changer, je vais mettre en soins là, toi. Et finalement, hein? Que là il va me dire ah non il faut une autre personne pour ouvrir. Super, et comme je suis mort, bravo, et on peut pas l'appeler en plus. Ah ben si, il est là. Je vais méditer sur la force. Bonjour. Ça serait bien que ouais. Je vais par là parce que. Et je vais mourir. Je vais mourir. Faudrait que ma vie remonte. C'est bien que tu te dépêches là. Moi je vais crever. Comment tu vas y arriver là? Parce que là t'es. Il faut stopper à 925 mètres. On peut taper tout le chemin. Ah, par contre, c'est d'un chien. Avez-vous besoin de soins médicaux? Y a pas de meilleur steam. 84 est la puissance donc 84 dans 1 heure.
2000. Là, je peux avoir que ça. En fait. Portez-vous bien. Donc, maintenant que je rappelle le partenaire. Il y a un tombeau à explorer? Oui, il faut se rattraper tout le chemin. Mais bien sûr, c'est tout l'autre côté. Génial. Je... 925 mètres à l'autre bout du truc. Bien. Avec un véhicule qui va 2 à l'heure. Celui-là il va plus vite. Là, il va falloir tous retaper. C'est par là. Ah, attention, ça va me tomber sur la gueule là, non? Ou pas du tout ici là? Mm-hmm.
attention là aussi. L'électricité. Jusqu'à là, ça va. Et juste après, c'est chiant. Merde. On a failli y passer. Heureusement que j'ai eu le... Oh, quelle émotion! Chaque fois que j'ouvre un tombeau, c'est comme regarder une fleur s'épanouir. Tant de merveilles. Bon, tais-toi et ouvre. Incroyable! On dirait les catacombes. Le reste du temple a dû être détruit par les éléments. Le grand ordre secret des assassins de Nagasado, les Sadowin. C'est ici qu'ils venaient mourir une fois leur funeste mission accomplie. Ce lieu est rempli d'histoire. Je regrette presque de devoir le détruire. Je vous en prie, je sais que le fantôme veut que tout soit détruit, mais laissez-moi faire quelques zolos enregistrements. Détruire toute cette histoire, c'est comme si nous nous rendions nous-mêmes orphelins. Une culture a besoin du passé pour la guider. Très bien. Enregistrez tout ce que vous pouvez. Merci, ça ne devrait pas être trop long. Voilà. J'ai terminé. Dites-moi juste quand ce sera fini. Là, attention. Détruisez les caisses. Bon, ben venez parce que là je vais pas monter. Allez, mais saute, putain de bordel, saute. Elle veut pas.
Ah bah putain. Censé cibler automatiquement. Là, ça sert à rien. Quelques souvenirs de mes entraînements au combat. Je n'ai pas loupé un. On tire de là-dedans. Y'a pas d'autre. Oh, leak. Bien sûr, bloqué dans le décor. Je suis pas aveugle, hein. Y'en a pas, hein. À côté, ça se trouve. Ah oui, tiens. Non. Ah oui, je suis passé juste à côté en plus. Thank you.
Lol, je suis passé à côté. J'ai même pas vu. Bah, logiquement, le dernier, il est là-haut. Non ? Ah bah, il est juste là. Aveugle man. Maintenant, détruire les reliques. Bonsoir Gaëtan. Je pensais que t'étais parti tout à l'heure. Que tu t'avais défollow. Que tu m'avais pas dit au revoir, que tu partais. Ça va depuis tout à l'heure. Non parce que vu que tu as pas dit que tu partais, alors moi je me suis dit tiens, il est plus là. C'est pas ça que je voulais faire. Ça y est, c'est terminé. Excellence. Ce droïde. Pas parti, mais je faisais on l'a pas déjà ah ok, d'accord. Excellent. Merci pour votre aide, Sith. C'est fascinant. Comment est-ce possible? Ça n'a pas l'air artificiel. Quel plaisir de voir les pions de Naga Sado écrasés, leurs tombeaux souillés. Bah tu étais arrêté, j'avais arrêté le stream. Okay. Mais n'hésite pas à dire quand tu t'en vas faire quelque chose que tu veux pas pouvoir répondre. Tu me dis, bah, je suis occupé, un truc comme ça, ça évite que je parle dans le vide. Que je sache si c'était là ou pas là, ou etc. Quoi. Merci d'avance. Dis-moi dessus du vide des yeux, hein, mais je suis satisfait, je vois que vous avez trouvé un nouveau jouet. Je préférais vos anciennes marionnettes, elles étaient plus vivantes. L'esthétique du droïde. Pas de soucis. Pas vraiment de soucis. Le fantôme. J'aurais jamais cru. Le chasseur d'étoiles se trouve dans le ventre d'un super cuirassé. L'étoile de Coruscant dans le cimetière spatial. Je l'ai caché là-bas après avoir neutralisé son imbécile de capitaine. C'est là-bas que vous me trouverez. Je sais où c'est, mais l'endroit grouille de pirates. Je crois qu'il s'appelle la Griffe Blanche. Ah, toujours cette Griffe Blanche. Ce sont pas vraiment des amateurs d'histoire. Toutes les histoires tournent autour du même machin, en fait. Pratiquement. Il faut que j'y aille, juste différentes versions. Moins par banc que vous. La prudence sera de mise. Oh, je suis sûr que vous réduirez ces pirates en poussière, comme les os du squelette d'un Sith. J'attends votre arrivée. Ah bah, tout de suite. Incroyable! Il se balade comme si de rien n'était, et pouf, il disparaît. Il y a tout le matériel d'analyse nécessaire à la base près d'ici. C'est sur la route du cimetière spatial. Suivez-moi. Et ça serait bien de pouvoir se TP directement là où tu... Se rendre à l'avant-poste, quel vif. Est-ce que je passe à côté? Je puisse me TP. J'ai pas l'impression. Là, ça me fait chier de devoir me taper tout le chemin. On va se taper ici. Peut-être plus près. Veillez à respecter la notice des produits. S'il vous plaît. J'ai oublié de dire s'il te plaît. Portez-vous bien. Merci. Affichage des destinations autorisées. T'es quel level dans Sotor ?
Oui, je suis sur un Shadow PC, oui. Mais sur une ancienne configuration. Il n'est plus... C'est pas la config actuelle. Enfin, je parle de la config matérielle. C'est pas celle actuelle. Moi, c'est une ancienne qui est plus en vente. Normalement, tu vas... Il y a un message dans le chat, justement, qui te dit ma config. Mais si t'as pas... si tu veux tester, je te recommande de tester. C'est pas mal, quand même. Sachant qu'il va avoir les nouvelles... à l'automne, il va avoir les nouvelles configurations, là. Enfin, la nouvelle option qui augmente la puissance du Shadow de base. Moi je joue avec GeForce Now. Ah, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose. Là c'est du cloud gaming, moi c'est du cloud computing. C'est pas du tout pareil. C'est laquelle? Non, ça c'est une quête histoire je pense. Moi c'est l'autre. Est-ce qu'il y a un truc de réputation là? Attends, armure lourde. Non, attends, il y a peut-être un... Vous trouverez pas mieux ailleurs. Eh ben si, parce qu'apparemment tu vends pas ce que je veux moi. Fait tes super étui d'objets secondaires. M'en fous, moi je voudrais un sabre laser. Revenez à l'occasion. Ils vont rien du tout. J'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix. Ouf, ah ouais, mais 40 000 mon pote. J'ai pas 40 000... Ah si, et ça me fait chier un peu de me mettre 40 000. Sachant que c'est pas... Attends, 500, ouais... C'est pas vraiment un gros gap. Bonne chasse. Vous trouvez votre bonheur? Là, la rigueur, c'est combien? 47 000. À bientôt. Vous trouverez pas mieux ailleurs. Et vous êtes chers, les gars. Oh. Revenez à l'occasion. J'ai pas max gold, moi. Vous voulez améliorer votre arsenal? Ouais, ben fais... Bonne chasse. Fais-moi une promo. Hein. Un client en bonne santé est un client qui dépense. Augmente de 84 la... Attends, c'est quoi? La présence, c'est quoi la présence? Améliorer les tribus physiques ou mentaux, la présence. Augmente l'endurance pendant 84 minutes. Oh, ça à l'arrière, non? Moi, c'est plus. À l'arrière. Prenez garde sur votre route. Ouais, et quelle est la différence? Ah, bah, la différence, c'est que moi, j'ai un PC dans le cloud. T'as un PC complet. Chez toi, t'as juste besoin d'un clavier souris et un écran. Non, clavier souris, un écran, ouais. Et non, maintenant, oui. Maintenant, ça a changé, il n'y a plus le boîtier. Mais avant, quand t'avais le boîtier, t'avais juste besoin d'un clavier souris et un écran. Que maintenant, oui, il faut un petit PC pas trop vieux avec un upload de 15 mégas et tu peux avoir un PC dans le cloud. Bon, après, c'est vrai que la config actuelle n'est pas extraordinaire, mais. Mais ça peut dépanner. Un PC dans le cloud. Ce qui t'évite de racheter une carte graphique, une carte mère, des RAM et tout le bordel quoi en fait. T'as juste à avoir un PC pas trop vieux, pouvoir juste décoder un flux vidéo en fait. C'est juste ça en fait. Faut qu'il soit assez puissant pour décoder un flux vidéo. Parce que ça là c'est un flux vidéo que j'ai. Et moi actuellement, attends. Si je peux te montrer. Bon. Voilà. Ça, c'est mon PC actuel. Voilà. Donc, j'ai 12 threads. Enfin, 6 cœurs, 12 threads. J'ai 32 gigas de RAM. Et j'ai une RTX 6000 avec 24 gigas de RAM dessus. Mais c'est que mon film malheureusement n'est plus en vente.
Et là, la prochaine config option, c'est un CPU AMD Ryzen 4 cœurs 8 threads avec une équivalent d'une RTX 3070 avec 16 Go de RAM. Celle qui va arriver en octobre. Nous y voilà. Enfin, en octobre, bon, à l'automne. Je dois analyser ce droïde. Mais vos amis ont dit qu'ils étaient là en cas de besoin. Je crois que le fantôme a dit qu'il était dans le cuirassé. Vous devriez y aller si vous voulez le trouver. Ok. Ouais, tu me donnes des trucs. Oh, niveau 42. Ouais, attends. J'ai oublié. Merde, à chaque fois il savait qu'il reset et... Puis encore en stream. C'est-à-dire... Ah ok, d'accord, ok, à tout à l'heure. Là, 88. Non, finalement non. Alors par contre, niveau partenaire, est-ce que je suis obligé de te garder toi? Parce que je voudrais plutôt ma padawan, mon apprenti. Je vous suis. Ok. Ah si, je peux la changer. Ok. Maintenant, je vais pouvoir aller... Attends, ça sert à rien. De toute façon, ça change. Ouais. Voilà. Hein? Je gagne quand même. Désolé, Nachara, mais. Hein? De toute façon, je pense que mon partenaire, même si tu lui enlèves ses armes, ça change rien là. Merci pour ton arme. Hein. Voilà, elle est un peu mieux que ce que j'avais. Je pense que je. Ah oui, 500. Je gagne 100. Attends, j'ai même pas pensé à regarder. Ben non, finalement. Il y a rien, sauf que là je peux la modifier en lui rajoutant des mods dessus. Et comme toi, ça change pas. Voilà. Ça change pas tes trucs, hein. Et que moi, ça m'arrange. Ok, donc localisé au rack moule. Ah oui, je suis carrément à l'autre bout du monde. y a pas un truc pour voler là.
Attends, je capte. Non, c'est pas toi. Ah oui, ils sont au niveau 40. 42, mais... C'était un véritable défi. Eux qu'il faut tuer en fait. Ben non, c'est pas du tout là qu'en plus qu'il faut aller, lol. C'était là, moi. Ah oui, c'était pas là qu'il voulait tuer les trucs. Ah bah, tant pis. Peut-être au retour pour faire. Coucou tout le monde, je passe devant vous, rien, bien merci. Pas obligé de tous vous buter. Par contre, ça serait bien de gagner en vitesse. L'étoile de Coruscant. Voilà donc ce qui lui est arrivé. Elle avait un équipage de plus d'un millier de personnes. Je serais surprise qu'il y ait eu des survivants. Moi aussi.
L'un ou l'autre, hein. Là, ils sont trois. Au fond, tout droit en fait. Ça va bien. Ah oui, t'as failli crever. Non, c'est pas sur toi que je voulais le faire. On peut pas la soigner, elle? Quand vous aurez 5 minutes, j'aimerais vous parler. Ah, ok. Ah oui, il faut aller dans un... Au revoir. Ah, lol. D'accord, donc elle se barre, ok. On le saura pour la prochaine fois. Combien de temps ça dure? Peur de la mort. Yeah.
arrive à quelque chose. La réponse. Voyons ce qu'il pense de ça. Je crois pas. Lol. J'ai pas fait attention à ma vie. Bonsoir, Aix. Allô, désolé, j'étais concentré. Oui, je suis là. Comment tu vas? J'ai looté quelque chose d'intéressant. Que de la merde. Que du caca. Je dois aller au bout là-bas. Moi, que j'ai pas le truc fufu, je peux passer tranquille. Ah, c'est vrai. La boxe. Tu parles de Shadow? Pas d'autre chose. Ah, ça y est. Ma sauveuse, ma vengeresse. Mon cœur est léger. C'est presque comme si je revivais. Vous êtes doué. La façon dont votre apprenti et vous... La Shadowbox, normalement, tu l'as acheté où? Tu l'as acheté où? Parce qu'elle n'existe plus, normalement. On vous a déjà prouvé notre valeur, n'est-ce pas? Je suis navré. Mais j'ai toujours été vaniteux. Ah, sur le net, t'as déjà acheté? Ah, ok, d'accord. Bah, c'est pas mal, ouais. Facilement. Je sais pas que t'as utilisé mon code parrain. Je jure de vous libérer une fois que j'aurai vaincu mon ennemi, Dark Thanaton. Je ne m'attendais pas à tant de générosité. Mais seul un imbécile n'aurait pas demandé votre parole. Scellez cette promesse de votre sang, et je me soumettrai à votre volonté. Je jure de vous relâcher une fois Thanaton vaincu. Non, mais on te dit de te couper, on te demande pas de te couper la main. Franchement, l'animation, t'as l'impression qu'elle se coupe la main. Le rituel peut commencer. Merci. Ah, 80 euros quand même. Ben, j'espère qu'il t'a pas arnaqué, que ça fonctionnera avec toi. Que c'est, ça fonctionne avec tout le monde, quoi. Ok, bon, mais ça c'est fait. Hein.
Y a pas de loot, y a rien. Donc là, il faut faire quoi? Ça, ça, ça. Allez au sas de votre vaisseau. Ouais. Alors attends, mon vaisseau, c'est où déjà? D'abord que je me souvienne où c'est mon vaisseau. Votre vaisseau, utilisez l'intercom de vaisseau pour organiser une réunion. Là, j'ai un sabre laser de... entre 88. Bah, c'est vrai qu'il fait un poil de plus de dégâts. Parce que lui, tu peux pas le... lui rajouter des trucs dessus, c'est chiant quand même. Donc, au niveau de la latence, c'est comme une game. Ben ça va, j'ai pas. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Puis c'est à la fibre. Donc, au moment, il n'y a pas de souci au niveau de latence. Hein. Après, ça dépend le serveur en face. Hein. Si le serveur il merde en face, donc tu peux avoir la latence. Hein. Mais normalement, non. Enfin, tout dépend les jeux que tu fais, mais. Voilà, comment... Ah bah c'est là-bas. Voilà, c'est... Là qui est tout dans le coin. Pas mal de mots. Oh bah ça va. Mes mots, t'as pas de soucis. Normalement, Call of, à ce que je sache, ceux qui jouent, qui ont Shadow, ils ont pas de soucis. Donc normalement, hein, ils devraient pas avoir de soucis. Bon, par contre, faut pas toujours jouer à Valorant parce que c'est pas compatible Shadow. À cause de l'anti-cheat, c'est bloqué. Ni Valorant, ni Genshin. Ouh, merde! LOL! Voilà, voilà. Mort comme une merde. Avez-vous besoin de soins médicaux? Portez-vous bien. Ouais, joli carpé. Étalé comme une crêpe. Hop. Plus qu'à attendre l'ascenseur maintenant. Bah si t'aimes pas Valorant, ça t'as pas de soucis. Si tu joues pas à Genshin, ça va. Parce que tout ça, c'est à cause de l'anti-cheat de ces jeux-là qui bloquent le... qui empêche de jouer avec Shadow. Mais normalement, la grande majorité des jeux, tu peux jouer. Hein. Y a pas de soucis. Oula, oula, doucement. J'ai envie de tester avec ma partenaire là. Ouais. Tout en rouge. Ouais. Celui-là, bien que ça fasse un peu bizarre là, il faudrait que je change aussi le en bas là. Attends, lui changer ça.
À la rigueur, comme ça, ouais. Non, pas toi. Bonsoir, Bubsy. Est-ce que ça... Non. Non, non, non. C'est un dragon dans Skyrim. Oui, c'est le cri d'un dragon. Ouais. C'est un dragon, le cri d'un dragon dans Skyrim. Ouais. Ça change quoi, ça? Rien du tout. Ouais. On ne peut pas gagner, monsieur. Je ne comprends pas pourquoi on reste. Nous sommes ici pour entraîner la République dans un conflit ingagnable, pour épuiser ses ressources. Chaque jour de plus qu'elle passe à se battre pour rien est une victoire de plus pour l'Empire. Souvenez-vous-en. D'accord. Vous au jeu, Bubsy? Non, c'est pas toi. Je sais pas pourquoi je suis obligé de passer par la station spatiale, mais bon. Est-ce qu'il se passe quelque chose au SAS? Excellence, j'espérais vous voir avant votre départ. J'ai... démissionné du service. Je sens que je gâche mon talent au sein de l'armée. Je servirai mieux l'Empire en... vous aidant. Enfin, si vous acceptez. Ouais, et tu vas m'aider comment? Et qu'est-ce que j'y gagne au juste? J'ai reçu une formation militaire. Fusil, armes légères, grenades.
Et, sans me vanter, on dit que je suis le meilleur dans mon domaine. On est déjà assez nombreux comme ça. Vous êtes sûr qu'il pourra nous être utile? Je vous jure que vous ne le regretterez pas. J'ai pas... Ah, bah j'ai pas le choix. Bah comme ça, c'est clair. Je vois pas... Qu'est-ce qui... À quoi il va... non, tu vas dégager. Ah non, t'as besoin de me parler. Pardon. Je vais analyser ce que j'ai découvert. Bah oui, tout à fait, vas-y. Je préfère mon apprenti. Excellence. En plus, qui m'appelle mon excellence. J'ai 1h23 de live, j'ai pas vu le temps passer. Mais je vais en profiter. Je suis vraiment honoré de servir quelqu'un comme vous, maîtresse. Votre nom entrera dans l'histoire. Pas le mien, mais le vôtre sans aucun doute. Je vais faire une petite pause et je vous dis à tout de suite.
Voici de retour alors que je devais faire oui, l'intercom. D'abord dialoguer avec les. Hey, je dois filer. Vous avez encore un ami en difficulté ? Pas de temps pour les questions. Quelqu'un que j'ai connu sous la République a ressurgi. Quelqu'un que je croyais mort. Si j'y vais pas maintenant, je vais encore le perdre. Je vous raconterai plus tard. Ok. J'ai dit que je vous expliquerai à mon retour, alors voilà. On avait reçu un tuyau au sujet d'un libre-échangiste. Et on le poursuivait en espace neutre quand un vaisseau impérial a bondi à notre niveau et nous a réduits en morceaux. Le type qui nous avait rencardés ? Un agent du SIS. Un espion infiltré dans l'Empire. Il s'appelait Armann Reich. Vous pensez qu'Armann Reich vous a tendu un piège ? Ça aurait pu être un mauvais renseignement. Sauf que Reich a disparu le même jour. Un de mes contacts dans la pègre avait repéré une de ces planques. Mais Reich a filé avant que j'arrive. Je comprends que quelqu'un refuse de s'impliquer dans le combat de quelqu'un d'autre. Moi-même, j'ai déserté. Mais Reich me doit une explication. Que se passera-t-il s'il vous a trahi, vous et vos hommes, et vous a envoyé à votre mort ? Il a intérêt à avoir une bonne raison. Je voulais encore vous remercier de me prendre à vos côtés. C'est un honneur pour moi de travailler avec une personne de votre expertise. Les recherches archéologiques de l'Empire et des sites ont trop longtemps été dissociées. C'est notre histoire commune. Il est de notre devoir de la mettre au jour. Les sites cherchent rarement la connaissance pour la connaissance. Votre pureté est rafraîchissante. Je ne me considère pas plus pur que mes confrères. C'est un honneur pour moi de faire ce que je fais. Depuis les profondeurs du sol, l'histoire nous supplie de la sauver de l'obscurité. Je réponds au mieux à cet appel. Je suis sûr que vous aussi. Vous me rappelez mon vieux mentor, Auxilio Gann. Je vais prendre ça pour un compliment. C'est un compliment. Il est le meilleur d'entre tous. Mais voilà que je bavarde alors qu'on a du travail. Comme on dit dans le métier. Les morts ne rajeunissent pas. Et à quoi ressemblait votre maître? Vous aviez bien un maître? Elle est toujours là en quelque sorte. Mon maître a essayé de me tuer. C'est de la folie! Pourquoi les Sith voudraient-ils détruire l'avenir de leur ordre? L'avenir de l'ordre ne veut rien dire si on n'est pas là pour le voir. Je crois que c'est l'égoïsme le vrai problème de l'ordre Sith. Toute cette violence et cette cruauté, ce n'est que de l'égoïsme. Vous prétendez suivre vos passions, mais qu'en est-il de l'amitié? Les Jedi recherchent la paix spirituelle et ils veillent les uns sur les autres. Le maître Ryan et le maître Osera étaient plus des parents pour moi que mes propres parents. Tu as dû avoir des parents affreux. Enfin bref, je suis désolée de vous embêter. Je suis sûre que vous avez plein de choses à faire. Oups. Excellence, je suis désolée d'avoir été si dure envers l'Empire. C'est juste que j'ai encore tellement de choses à comprendre. Si je peux faire quoi que ce soit pour que tu t'y habitues, dis-le-moi. Je sais que les Jedi doivent être patients, mais... ça n'a jamais été mon point fort. Que ressentiriez-vous si tout à coup vous aviez un maître Jedi et si vous serviez la République? Pardon, je n'ai pas été très compréhensive. Merci de votre compréhension. Je vous promets que je ne laisserai pas mes doutes interférer avec votre travail. Choix. J'ai changé d'avis. Je n'ai rien à vous dire. Je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Non, vous n'avez rien fait. Mais vous êtes un Sith.
Ça vient d'être diffusé sur l'Holonet. Des sites du système corélien ont tué un groupe de marchands qui refusaient de les laisser passer gratuitement vers la bordure extérieure. Ils les ont tués. Je suis désolée, mais tu ne peux pas me tenir responsable des actes de tous les sites. Que va faire l'Empire? Vous connaissez la réponse aussi bien que moi. Rien. Si on veut arriver à un accord de paix, l'Empire doit changer tout ça. Pas gagné. Les Sith sont considérés depuis trop longtemps comme les rois des animaux. Des tyrans intouchables. Il va falloir beaucoup de travail pour changer ce regard. Je ne suis pas venue en espérant que les choses seraient simples. Je suis désolée. J'essaierai d'être plus patiente. Ok, ça c'est fait, hein. Je viens de décrasser les injecteurs de carburant du système subluminique. Vous noterez un gain de puissance de 0,00008%. 0,006%. Oh, oui! Je sens le nouveau pouvoir en toi. Bien. Alors, je te suggère de... Agassar Chais embarks prize war terrain soise ikbus karadida. Pour une fois, je suis d'accord avec le monstre. Allez dans la salle de méditation de Thanaton et tuez-le avec tous les Sith morts que vous avez accumulés. Redites-moi où se trouve la salle de méditation. Sur Dromunkas, la citadelle. Vous n'avez qu'à le demander et je mettrai le cap sur cette planète. Mais si vous l'affrontez alors que ses défenses sont activées comme l'autre fois, je ne donne pas cher de votre peau. Ne l'oubliez pas. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, Excellence, dites-moi. Mon sabre laser est prêt, au cas où vous en auriez besoin. Oh, now we sons. Ah bon. D'accord. Attends, fais voir. Et là, soi-disant, ça, c'est mieux. Ouais, il fait un peu plus de dégâts, ouais, quand même. Sauf que... je perds tout ce qui est en dessous des modifications. Ouais, je gagne pas grand-chose, en fait. Hein. Faudrait que je puisse le modifier, ça, en fait. Il y a déjà qui veut parler. Alors, expliquez-moi. Le tombeau de Nagasado sur Korriban aurait été construit par Tulak Horde avant même la naissance de Nagasado. Et c'est là que vous avez trouvé le tueur d'ombre d'Ashad. Et quand votre maître a tenté de voler votre corps, vous avez utilisé les artefacts de Tulak Horde pour l'enfermer dans ce Dashad. Vous avez oublié la partie où mon ancêtre tué de longue date par Tulak Horde m'est venu en aide. Kalig ? C'était l'un des seigneurs Sith les plus puissants de l'époque. Peut-être même le plus puissant, et un alien aussi. Dire que l'Empire aurait pu être différent si c'était lui qui avait tué Tulak Horde et non l'inverse. Je discute avec Dark Zash. Enfin, quand elle est là, j'aimerais parler davantage avec Kemval. Mais je crois qu'il ne m'aime pas. Il a mal supporté ces quelques siècles passés en stase. Ah, vous savez, je n'avais jamais vu ça comme ça. Oui, je suis sûr que c'est ça. Je pourrais lui donner quelques indicateurs sociaux. Je suis sûr qu'il appréciera. Parfait! Je lui parlerai à la prochaine occasion. Je constate que vous avez hérité de l'archive de Zash. J'adorerais la voir un de ces jours. J'adorerais vous montrer cette archive. Parfait! La quête du savoir est éternelle. Je sais qu'Andronikos tient beaucoup à ce vaisseau, mais est-ce que je pourrais le piloter de temps en temps?
D'après Maître Ryan, mes talents de pilote étaient exceptionnels en simulation, mais je n'ai jamais eu l'occasion de manier un vrai vaisseau. Il faudrait en parler à Andronikos, mais je n'y vois aucune objection. Je ferai très attention, promis. Et il y a d'autres choses là. On peut aller sur la... sur la flotte. L'arme là. Attends. Oh, tu vois, tu vois. Tiens. Ouais, je vois ce que c'est cette quête là. Ça change rien. Ah, c'est 74. Donc sophistique. Ah, bah si, tiens. Donc il me faut un module et une poignée. Que puis-je faire pour vous? Apparemment... Ok. Revenez à l'occasion. Vous voulez améliorer votre arsenal? Alors, moi c'est une poignée. Maîtrise endurance 26-28. Et sophistication. Non, module. Bonne chasse. Voilà. Doucement. Là c'est pareil, il me faudrait blindage, module, sophistication.
J'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix. Sophistication par contre. Précision. Du critique. Bonne chasse. Ah oui, mais j'ai mis critique pour un truc bouclier, ça sert à rien. Dommage que ça là je peux plus pareil, je puisse pas mettre des modules tout bordel pour ok. Et ça, comme ça j'ai toujours pas fait non plus tester. Bon, est-ce que j'ai la puissance pour affronter Dark Thanaton? Ajouter ça, hop, maîtrise et puissance accrue pendant une heure. Même s'il n'y en a peut-être pas besoin. Ok, donc là, justement... dans le son, merci. Destination? Bon séjour. UTP directement.
Faire attention. Tu as eu une drôle d'idée d'acheter le seigneur Cineratus. Certains pourraient y voir un moyen d'échapper au combat. Surtout qu'il a tué tes apprentis. Mais tu n'es pas une lâche. Ça n'a pas besoin de se terminer dans la violence. C'est la loi des Sith. Et nul ne peut violer la loi. Tu es jeune et fier. Tu ne vois sûrement qu'un vieil homme chétif qui attend d'être écrasé. Et qu'on vienne prendre sa suite. Rolan ? Oui, maître. L'apprenti d'un Sith désobéissant doit mourir. Nous devons accomplir notre devoir solennel. Cette fois, je veillerai à me débarrasser de ton corps personnellement. Je ne serai pas un cadavre! Doucement. Qu'est-ce qu'il me donne? Ouais, 90. Tu dois mettre un terme à ces bêtises, maintenant! Ne le laissez pas parler comme ça. Ce serpent est un traître. Coupez-lui son crochet. Faites attention, ce n'est pas le moment de perdre le contrôle. Je vous avais prévenu que mon rituel était dangereux. Je vous avais prévenu que ce n'était pas pour les faibles, mais vous avez bu le poison. Oh ! Qu'es-tu fait ? Petite imbécile ! Tu ne sais pas gérer ce genre de pouvoir. Que s'est-il passé? Où est Anaton? Vous mourrez, petit serpent. Ne luttez pas, ça ne ferait que prolonger la douleur. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire au sujet du lien par la force. Il ne faut jamais, jamais lier plus d'un fantôme à la fois. Sinon, eh bien, vous verrez. C'est maintenant que tu le dis, sur ma tête. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je me battais contre Anaton. Un effort trop grand. Il vous épuise. Il diminue vos défenses. Avant, nous n'avions d'autre choix que vous servir. Mais maintenant, nous pouvons enfin nous amuser un peu. Sith, vous êtes de retour parmi les vivants. Calmez-vous maintenant. Tu as été trop ambitieuse. Le pouvoir des fantômes était trop fort, ton corps ne pouvait pas s'adapter assez vite. Et c'est sans parler des petits discours que tu faisais pendant ton sommeil. Laisse-moi deviner, les fantômes... Ils refusent de se calmer. Comment avez-vous deviné? Je sais une ou deux choses au sujet des voix qui envahissent les pensées. Quelle qu'en soit la cause, vous n'avez pas l'air de vous sentir bien. Et Anaton en profitera à moins qu'on trouve rapidement un remède. Laisse-moi le temps de me renseigner. Ashara, je vais avoir besoin d'aide. Les holocrons n'en font qu'à leur tête en ce moment. Fin du chapitre 2. Non. Non. Visez le compte. Bah bien sûr, faut retourner au vaisseau maintenant.
Attends, c'était par là, non? Non, par ici. Ils veulent tous me parler. Si je puis me permettre, Excellence, comment êtes-vous devenu Sith? Le processus m'est complètement inconnu. J'avais un frère sensible à la Force. Darkmar l'a emmené sur Corriban. On n'a plus jamais entendu parler de lui après ça. Ce vaurien ingrat pense qu'il est trop bien pour nous, disait mon père. En fait, je pense qu'il lui manquait. La plupart de ceux qui partent sur Corriban pour devenir Sith meurent à l'entraînement. Si vous aviez vu mon frère, il n'a jamais accepté qu'on lui dise non. Nous, les Drellik, on n'en a pas l'air, mais on sait se défendre. Père avait toujours voulu avoir un fils chez les Sith et l'autre dans l'armée. Honnêtement, le service de récupération impériale n'était pas ce qu'il espérait, mais une fois calmé, il s'est fait à l'idée. Qu'est-ce que votre père a contre le service de récupération impériale ? Les Drellik sont des gens fiers et mon père est simplement le plus fier de nous tous. Le service de récupération impériale protège les fondations de l'Empire de l'oubli et de la méconnaissance qui menace notre histoire. J'aimerais voir un pilote de chasseur parvenir à établir le lignage d'un seigneur Sith vieux de 3000 ans, rien qu'avec des cailloux et une langue morte. J'ai toujours pensé que le savoir finirait par l'emporter sur les sabres laser et les blasters. Merci, Excellence. C'est un honneur de vous servir. On est bientôt au niveau 43. Excellence, j'ai étudié le code Sith et j'aimerais avoir votre avis à propos d'une ligne. La paix est un mensonge. Ça ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation, mais je sais que vous défendez ardemment la paix. Tu devrais savoir depuis le temps que je ne laisse pas les Sith me dire comment vivre ma vie. C'est ce qu'il me semblait. Je m'étonne encore de voir que vous êtes un Sith et que vous accordez si peu de valeur à leur enseignement. Le code Jedi est le ciment de notre philosophie. On l'apprend par cœur et c'est le fondement de tout ce qu'on fait. Mais j'imagine que c'est différent avec les Sith. Le code Sith est plus une description qu'un code. Certains le respectent au pied de la lettre. Qu'est-ce qui est préférable ? Ceux qui croient vraiment que la paix est un mensonge ou ceux qui n'ont aucun code. Comment peut-on faire la paix avec l'Empire Sith quand chaque Sith suit sa propre voie? La tâche que nous nous sommes fixée se complique de jour en jour. Hé, hey, Sith, on forme une bonne équipe. Je voulais partir après avoir trouvé Rike. Mais mon ancien métier ne me semble plus aussi attirant. Ce sera un honneur de vous avoir à mes côtés. Peut-être qu'un jour je vous emmènerai dans l'espace intersidéral et que je vous montrerai les frissons que procure l'attente d'un gros cargo et d'une belle récompense. Je ne suis peut-être plus de la partie, mais je suis plus vif que jamais. Bas.
S'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire à ton monstre de se calmer? Sa colère m'empêche de me concentrer. Inbizo ze waitai spila pressing kretai. Inbize e wanata atragata injais. Godais akran bairadans jawan jandans in pan guidis. Souviens-toi, c'est toi qui étais obsédé par les ossements de Tulak Horde. L'idiot ne prend jamais ses responsabilités tant qu'il peut accuser quelqu'un d'autre. Je te dois une fière chandelle. Mes idées sont bien plus claires depuis l'épisode du dépôt. Et puis, j'avoue que je commence à m'habituer à ce corps. Il a ses limites, bien sûr, mais il est puissant. Dommage. Parce qu'à la moindre occasion, je vous éjecterai pour faire revenir Kem. Ce serait du gâchis. Il y a tellement d'autres dépôts avec tellement d'autres trésors. Tout cela pourrait être à toi. Il n'y avait rien du à tout dans présent, le dépôt. À présent, si tu peux bien m'excuser, je dois faire quelques recherches tant que le monstre me fiche la paix. Ok. Ça n'a aucun sens! Dark Vilus est à l'origine de plus de 3000 volumes, entre les écrits et les holocrons. Il y a une remarque. J'entends des voix, je dois trouver un remède. Et puis plus rien. Sur 3000 volumes, pas la moindre référence supplémentaire à ce sujet. Tu crois que Thanaton a pu toucher à tes ressources? Ce sont des journaux ordinaires, pas des secrets de site. Il n'y a aucune raison pour que quiconque... Non, tu as raison. Pourquoi n'ai-je pas vu ça plus tôt? Volume 2397, ligne 232. Aujourd'hui, j'ai tué mon quatrième apprenti. Je l'ai surpris en train d'espionner. Même remarque, volume 2455. Aujourd'hui, j'ai tué mon quatrième apprenti. Je l'ai surpris en train d'espionner. Tout le volume est en double. On sait au moins ce qu'on cherche. Thanaton a dû comprendre ce qui se passait quand il t'a affronté et demandé à ce que les volumes soient échangés. Espérons qu'il ne les a pas détruits. Il a une bibliothèque privée très bien gardée sur Dromukhas. Je ne suis pas censé le savoir, mais pour certaines raisons, je le sais. Je suppose que le volume manquant de Dark Vilus ainsi qu'un volume de Dark Eratus s'y trouve. Ces deux volumes sont peut-être essentiels à ta survie. Que aller à la bibliothèque de Dark Thanaton. On doit retourner à la même. Je crois que je suis dans. Ouais, je suis là sur place. Nous faire revenir dans le vaisseau pour repartir sur la planète. Puis on va rester là pour ce soir. On a quand même avancé. Chapitre 2. Au départ. Ah, c'est ça. Bon séjour.
Restez où vous êtes. Désolé, Excellence, mais vous ne pouvez pas entrer. Vous allez me laisser entrer. Je suis la bienvenue ici. Nous allons vous laisser entrer. Vous êtes la bienvenue ici. Thanaton conserve ses holocrons les plus utiles sur le mur du fond. Je suis sûr qu'il n'aurait rien contre le fait que vous en preniez un. Le rituel auquel j'ai procédé a libéré trop de puissance trop rapidement. Je me désintègre vite. J'ai commencé à déverser des parties de mon pouvoir dans des holocrons. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Mes recherches portent sur un remède presque incompréhensible tant il est incroyable. Mais je dois essayer et réussir. Il faudra pour cela me rendre au cœur de Belsavis. Un endroit si dévasté par le chaos que je tremble à l'idée d'y aller. Je n'ai pourtant pas le temps d'hésiter. Je dois y aller, maintenant ou jamais. Et attends. Alors, attends. Quoi ? J'ai mis des trucs à agir. Ah, j'ai... Allez, boss. Ok, niveau 43. Ouh, bloqué clairement. C'est de force. Tolérance à la douleur. Oh, c'est le sable laser.
On voit les cibles sur mettre à l'arrière. Ah oui, je les repousse en fait. On va le lancer visuel. Là, je lance le sabre. Pas évident de choisir où les mettre, c'est tout là. Non. Ah, j'ai le passif, rituel de sang. Ah, c'est activé là. Pratiquement. Je dois faire quoi? Ok, eh bien on retourne au vaisseau. Eh bien sur ce, je remercie les personnes qui sont passées en direct ou en replay. Merci Gaëtan d'être passé. Je vous donne rendez-vous à un prochain live. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir. That's the way.